Son métier, son amitié avec Laetitia Hallyday, sa vie de maman célibataire, ses filles adoptives. Hélène Darroze n'est jamais avare en confidence. Si elle n'expose pas souvent ses dernières, elle a en revanche pris l'habitude de parler d'elle très régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Véritable maman poule, elle fait son maximum pour être une mère irréprochable mais, comme personne n'est parfait, elle avoue sans peine qu'il lui est arrivé de faire de belles boulettes à plusieurs reprises. Dans un entretien accordé au journal Le Monde et publié le dimanche 26 février 2023 dans la rubrique Vie de parents, elle s'est confiée sur son quotidien rythmé par son travail très prenant, son rôle de jurée dans l'émission Top Chef et ses deux enfants, Charlotte, 15 ans, et Kittery, 13 ans. Très complice et fusionnelle avec ses filles, Hélène Darroze a pourtant eu du mal à s'habituer à son rôle de maman. Les débuts ont notamment été marqués par diverses maladresses, notamment avec les mots. Lorsque le journaliste lui demande quelle est la pire chose qu'elle a pu dire à ses enfants, la chef répond du tac au tac. Je vais vous vendre au marché. Je l'ai vraiment dit comme une boutade, elle n'avait même pas fait de bêtises. Mais ça les avait glacées et elles m'ont reprise tout de suite, ne dis jamais ça, a-t-elle expliqué. J'ai compris qu'il fallait vraiment faire attention à un tel sérieux, inhabituel chez ces deux filles, l'a immédiatement fait réfléchir. Avec le recul, elle prend conscience de l'impact que peuvent avoir certains mots, ou certaines blagues en apparence anodines, sur des enfants qui ont eu un début de vie difficile. J'ai compris qu'il fallait vraiment faire attention aux mots que j'employais, a-t-elle ensuite assuré. Heureusement, Hélène Darroze peut compter sur les conseils avisés de sa meilleure amie Laetitia Hallyday qui a elle aussi adopté deux fillettes au Vietnam. D'ailleurs, la chef étoilée n'est autre que la marraine de Joyeuse Mette, l'une des deux filles de la jolie blonde et du défunt rocker.